Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On est le lundi 29 mai. Je suis pas maquillée, c'est vraiment très tranquille on va dire aujourd'hui. Et du coup je me suis dit que j'allais vlogger parce que ce matin on va partir pour Mondeville, sachant qu'on doit aller à Smithtoy, je crois que ça se dit comme ça. Karen voudrait voir pour des voitures, s'ils ont des voitures Fast and Furious, etc. pour faire du repérage, pour me donner des idées pour Noël. Parce qu'il n'y a pas que des voitures de Fast and Furious qu'il aimerait, il m'a fait déjà une liste. Bref. Moi je voudrais voir s'il y a des choses également Disney que j'ai repérées. Et je me suis dit, est-ce que là ils en auront pas? Donc je pense que oui, donc je vais aller voir ça de mon côté. Et puis on va aller un petit peu à droite à gauche sans aller dans les extrêmes parce qu'on va rentrer après. Mais voilà, donc je me suis dit que j'allais voilà, vous emmener avec nous, voir comment si on trouve des choses, je vous filmerai tout ça comme d'habitude. Et après cet après-midi, bah, ça sera chill, tranquille à la maison. Mais du coup je me suis dit pourquoi pas vous filmer voilà, si on va et on trouve des choses. Là-bas, on va voir aussi à peut-être aller à Jouer Club si c'est ouvert. Ça, faut que je regarde parce que j'ai pas pensé à regarder parce que c'est juste à côté. Où est mon petit Pankings? Et moi, vous allez me laisser, maman Pank? Ouais, on va te laisser, maman, ma vie. Fou, c'est nul. Donc voilà, hier on a fait une brocante. Enfin, on a été à une brocante avec Alan. On a trouvé deux jouets pour le petit Panky. Ouais, regardez-moi cette boule d'amour. Oh, les chiens, je suis un amour. Wesh. Ils sont où tes jouets? Et je les ai cachés, maman, mes petits jouets. Alors, je vais vous montrer. Hop, on lui a trouvé un petit dauphin comme ça, à 50 centimes. Donc, franchement, tiens, un amour de ma vie. C'est le dolphin à pupille. Ouais. Et son petit canard tout rose. Enfin, il est vide parce qu'en fait, elle l'a tué. Vous voyez, elle lui a fait un méga trou de la mort. Donc, j'ai enlevé tout ce qui était en mousse à l'intérieur. Mais du coup, elle le kiffe aussi. Donc, après, voilà. Non mais moi je veux autre chose, je sais que t'as acheté autre chose hier. Et hier je lui ai acheté un cadeau pour son anniversaire, c'est un gros truc de frites en peluche, donc mais qu'elle aura plus tard, elle l'a pas réellement vu. Je suis floux, tout va bien se passer. Voilà voilà, hein. Donc elle est contente, elle a deux nouveaux jouets, c'est le bordel dans la baraque avec ses jouets, je vous assure c'est une catastrophe. Donc voilà, donc là j'attends Alan et puis on va y aller tranquillement, donc c'est parti, let's go. Chez Action, il n'y avait pas grand chose. Je vous ai quand même filmé les 2-3 trucs Disney qu'il y avait. Et là, du coup, on va à Smithtoy. Donc, ça plaît pas à Alan parce qu'en fait, avant c'était Pickwick Toy. Et maintenant, tu veux que ça soit quoi? À la ferme jouée. Voilà, à la ferme jouée. Référence à Toy Story, bien évidemment. Donc, c'est parti, on y va. Petite pause au McDo avec un chat, je sais plus comment ça s'appelle,
et un petit café. Un McMuffin. Et toi, t'as pris deux avec le steak. Deux steak muffins. Mais il nous fallait au moins un café, donc c'est essentiel. Bon, on se retrouve. Regardez pas ma tête, c'est une catastrophe. Donc, comme vous avez pu le voir, on a été vite fait au McDo. À Smithtoy, je sais pas quoi là. Je me suis pris un truc que je vais vous montrer tout à l'heure et je vous ferai une vidéo ouverture. Je voulais prendre des Lego, vous savez, des 100 ans de Disney, ils en avaient, mais impossible de trouver une oreille de Stitch ou quoi que ce soit. Regarde-le, le imbécile. Je vous jure. Donc, j'ai pas pris. J'ai pris deux cadeaux pour Alan pour Noël. Il m'en avait demandé trois. Oui, tu m'en avais montré trois, mon cœur. Hein. Donc j'en ai déjà pris deux et on verra parce que j'ai d'autres idées aussi en tête. Donc voilà. Donc là, on s'est arrêté à Ikea parce que du coup, il me refallait des. Comment ça s'appelle ? Des rouleaux. Vous savez, pour les fringues, puisqu'avec Sony, c'est juste un enfer. Donc on a été et j'ai repris également des bougies. Parce qu'il m'en fallait. De toute façon, je vous montrerai ce que j'ai acheté. Chez Action, c'est pareil, pas grand-chose, mais je vous montrerai quand on sera rentré. Et là, du coup, j'ai proposé à Alan de manger à Ikea et puis après, on rentrera à la maison. En plus, on a vu de la bouffe qui nous intéressait. Lui, un gâteau et moi, des gaufres. Donc, bah, du coup, on achètera ça après parce que c'est du congelé chez Ikea. Et puis après, on rentrera, je pense, mon petit chat. Ah oui. Tranquillement, mais sûrement. Mais voilà, pour vous faire un petit point, je sais pas où est ma voiture. Voilà, bon. Donc eh ben, on pose ça à la voiture et on retourne manger dans Ikea. Donc je vous montrerai ce qu'on mange. Et Alan en plus a vu une dame. Elle a fait quoi mon cœur? Parce que ça t'a outré. La chourin à verre. La salope. La chourin à verre. Donc Alan il me dit je serais bien balancé. Mais bon, voilà, une fois c'était pareil à Primark. Le mec il avait rempli la valise de fringues. Et il s'est fait choper, hein, c'était sûr. Mais voilà, donc eh ben, je vous laisse et on se retrouve après dans le resto. Alors, moi j'ai pris des frites et du poulet avec des fruits en dessert. Et toi, maman, t'as pris un fish and chips. Ouais. Qui est bon. Ouais. C'est bon. Donc voilà, tranquille, on va manger ça. Oui, en dessert, t'as pris du fromage blanc avec de la mangue. Voilà, voilà, bon appétit, les amis. Bon, je vais vous montrer du coup ce qu'on a pris chez Action, Ikea et Pickwick. Non, pas Pickwick Toy. C'est quoi déjà ? Smithtoy. J'ai allé, on a été voir, mes jouets club étaient bien fermés, enfin bref. Donc, chez Action, j'ai repris du sopalin, j'en avais plus. J'ai pris ce masque holographique, je me suis dit que pourquoi pas tester. J'ai pris le nourrissant, il y en avait un autre qui était pareil, mais pas été classique, pas rose. C'était pas un nourrissant, c'était un rafraîchissant, je crois. Donc voilà, j'ai pris ça. Voilà. J'ai repris ça pour le petit Pink. Des sacs de cake à chien. Ouais, c'est pour Pink, oui, maman. Bah ouais, hein. Des mouchoirs. Arrête, Pink. Moi aussi, je suis une princesse des Pink. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux? Des bêtises. Ouais, mais non. J'ai repris donc les fameux rouleaux, comme je vous ai dit. Et j'ai repris ça également. Donc on a mangé à Ikea, là on est rentré comme je vous ai dit, on a le bide plein, on est limite pas bien en fait, voilà, et en fait je vous montre, j'ai enfin craqué pour la boîte d'Orables Stitch, qui est sortie pour les 20 ans à ce que je vois. Donc j'hésitais depuis un moment et puis bon bah voilà, je l'ai prise. Donc on a ces figurines là plus une figurine bonus. Donc on verra si je l'ai ou pas. Concrètement voilà. Je vous ferai une ouverture spéciale en vidéo, comme ça au moins ça vous fera une petite vidéo sympa. Et voilà, je voulais prendre des Lego mais j'arrivais pas à trouver. Il y en avait aucun qui avait style l'esprit d'oreille, donc je n'ai pas pris. Donc là on va se poser avec Alan, moi je vais ranger ça. On va se poser, on va boire un café. Et après on va aller promener Sunny tranquillement. Donc de la promenade, donc comme vous avez vu j'ai filmé un petit peu avec Poppy parce qu'il y a une de vous, je sais plus qui, m'avait demandé de filmer quand on sortait Sony en promenade. Donc vu que j'avais pas eu l'occasion de le faire encore, je l'ai fait.
Elle est plutôt calme en général, ou elle veut jouer avec nous, donc voilà, je vous ai filmé un petit peu comment elle est. Et quand elle se retourne, comme vous avez pu le voir, c'est qu'elle m'attend en fait, parce que j'ai tendance à toujours vouloir jouer et me cacher, donc elle a compris le truc, donc elle m'attend toujours un petit peu. Donc voilà, donc là, elle est épuisée, la Pinkings. T'en peux plus, ma fille de Pink? Non, toi, plus, j'ai ma main. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit coup d'aspi vite fait. Parce que du coup, après, je vais reprendre le sport doucement mais sûrement. Parce que du coup, je voulais reprendre depuis un petit moment. Mais avec mon problème de dos, ça commence vraiment à être mieux depuis le mois d'avril. J'ai beaucoup moins mal quand je me lève le matin. Donc, je voudrais reprendre un petit peu des séances de 30 minutes à peu près par jour. Pas tous les jours, mais quand j'en ai envie. Et au moins 2 à 3 fois par semaine quand même, que ça soit efficace. Et voilà, donc là je vais faire ça tranquillement mais sûrement. Mais bon, du coup je voudrais donner un petit coup d'aspi dans la maison avant. Et voilà, donc du coup je pense que je vais clôturer le vlog maintenant, parce que après ça va être repassage, ménage, enfin voilà, je vais rien faire de plus d'intéressant, on va dire, pour vous. Donc je vois pas l'intérêt de continuer à vlogger. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce vlog vous a plu. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!